Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'église de Cambremont-le-Grand avec Pamela qui va faire les lectures et surtout avec Jonas. Vous verrez que c'est un personnage attachant que ce Jonas, un tout petit livre dans les petits prophètes. Un prophète à l'envers, un prophète qui a fui lorsque Dieu l'a appelé. Un prophète qui n'a prononcé que 5 mots, mais qui ont eu un immense effet. Un prophète qui a été avalé dans le ventre du grand poisson et qui est resté confiné. Nous écoutons maintenant cette lecture et avant la lecture, je vous invite à une brève prière. Seigneur notre Dieu, que l'encre de ta parole puisse se lever, se faufiler en nous et par la force de ton esprit devenir pour nous aujourd'hui l'être vivante, qu'elle puisse donner du sens à notre existence, à ce que nous vivons. Lecture du livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 à 6. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. » Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa. Là, il trouve un bateau qui part pour Tarsis. Il paye son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent, et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur. Chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau. Il s'est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit « Quoi ? Tu dors ? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. » Les marins rament pour rejoindre la côte, mais ils n'y arrivent pas. Les vagues montent de plus en plus contre eux. Ils prient le Seigneur et disent « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi Seigneur qui as fait ce que tu as voulu. » Puis, ils prennent Jonas et ils le jettent à la mer. Alors, la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, un petit livre où tout est à l'envers. On dirait qu'on marche sur la tête. C'est une forme de conte, hein? Et d'ailleurs c'est une des histoires qu'on aime beaucoup raconter aux enfants et qui leur fait beaucoup d'effet. Ce gros poisson qui avale et qui recrache, qui est devenu dans les temps une baleine, comme on aime leur raconter cette histoire qui est aussi une histoire de renaissance. Seulement, quand on y regarde de plus près, c'est une perle d'humour juif, en fait. C'est comme une parodie ou une parabole. Au début, vous l'avez entendu, Jonas est appelé par Dieu. Que fait un prophète appelé par Dieu? Eh bien, il se lève et il va annoncer la parole. Eh bien, non. Jonas s'enfuit à l'autre bout du monde, à Tafaouleba ou à Goumouanju, mais en tout cas pas à Ninive, cette immense ville où il était attendu. On marche sur la tête. Dans le bateau où il s'est réfugié, ce sont les marins païens qui viennent lui rappeler quelle est la grandeur de son Dieu. Et Dieu lui-même doit venir pour secouer le navire. C'est lui qui descend pour réveiller son prophète et pour qu'il agisse enfin. Mais il y aura ce passage par le ventre du poisson. Jonas est jeté à l'eau, il est avalé. Et là, au fond, tout au fond,
il va prier. Lecture du livre de Genèse, chapitre 2, versets 2 à 11. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur son Dieu. Il dit, « Je suis très malheureux, alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours, et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond, au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure, des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendue jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors le Seigneur donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Jonas, c'est l'histoire d'un prophète qui est devenu lui-même après avoir fait ce retournement. Ce retournement qu'il fait dans un temps de confinement extrême. Imaginez, il est là, prisonnier du ventre de ce grand poisson. On nous dit, et il le dit lui-même dans sa prière, qu'il est allé jusqu'aux racines des montagnes. Donc, on peut vraiment dire, sans exagérer, que Jonas a dû aller au fond du trou. C'est là qu'il va faire ce retour sur lui-même et qu'il va crier à son Dieu. Et c'est là un des premiers enseignements de ce magnifique petit livre, c'est que par la prière, eh bien, nous sommes atteignables en tout temps et Dieu est atteignable en tout temps. La prière n'est pas confinable. Et puis, la parole que Jonas adresse à son Dieu est une parole de retour sur soi et de repentance. Oui, pendant ce temps-là où il était enfermé, eh bien Jonas s'est retrouvé. Il s'est retrouvé devant Dieu. Il a refait ce lien. Du coup, quand il est vomi sur la plage par ce gros poisson, quand il est recraché, eh bien sa parole est devenue efficace. Parce que Jonas est pleinement en communion avec son Dieu. Il est, qui il est, un prophète puissant envoyé. Ce prophète-là ne va dire que 5 mots. Il va dire « Ninive va bientôt être détruite ». Mais cela va suffire. Et la grande ville de Ninive, dont on nous dit qu'il fallait 3 jours pour la parcourir à pied, une immense surface, eh bien, depuis son roi, jusqu'aux animaux domestiques, nous est-il précisé dans le texte, tout le monde va à ce moment-là revenir à Dieu. Parce que la parole de Jonas était devenue, par la grâce de Dieu, puissante et efficace. Croyez-vous du coup que Jonas était satisfait? Eh bien, figurez-vous que non. C'en était trop pour Jonas de voir que Dieu allait changer ses plans et pardonner à toute cette grande ville. Déjà pour lui, comme sans doute pour nous, comme en tout cas pour les Juifs du temps de Jésus, la gratuité de la grâce de Dieu est si difficile à comprendre. Et ce texte nous montre Jonas qui va sur la colline attendre que Dieu punisse cette ville comme il l'avait dit. Et non, Dieu a changé ses plans, comme il l'a plus tard changé pour nous, par amour pour nous, comme Dieu a espéré ce peuple de Ninive jusque dans ses plus petits habitants, Dieu a espéré qu'ils reviennent à lui et il s'en est réjoui. Eh bien, de la même manière, au moment où le Christ est venu, Dieu nous attendait. Dieu nous attend toujours pour cette renaissance. L'histoire de Jonas,
C'est l'histoire de la prière qui est en tout temps le moyen de rejoindre Dieu et d'être rejoint par lui. Et puis, c'est aussi cette histoire de renaissance après les 3 jours passés dans le ventre du poisson. Un signe dont Jésus dit, il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Alors, renaissons, profitons de ce temps pour renaître à qui nous sommes. Amen. Prière pour le monde. Le confinement a fermé les portes de nos maisons, de nos institutions, de nos églises, de nos lieux de vie communautaire, mais il n'a pas fermé les portes de nos cœurs. Merci Seigneur de laisser nos yeux et nos cœurs ouverts pour recevoir et accueillir les petites choses qui donnent au quotidien sa saveur. Merci pour le printemps, ses clameurs, ses odeurs, ses couleurs. Merci pour la chaleur des sourires, pour la solidarité intergénérationnelle, pour la créativité de tous ceux qui cherchent à maintenir les liens. Seigneur, nous te prions pour les populations fragilisées, les migrants, les minorités religieuses et ethniques, les victimes de la guerre, les personnes qui vivent dans la précarité. Nous te remettons toutes ces personnes pour qui le virus est une épreuve supplémentaire. Soutiens-les. Seigneur, nous te prions pour les personnes atteintes dans leur santé, qu'elles puissent accueillir paix et réconfort. Merci Seigneur pour ta compassion et ta bienveillance. Merci d'être celui qui écoute nos prières, comme tu as écouté celle de Jonas dans le ventre du poisson. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce moment de recueillement. Nous espérons qu'il vous trouve en bonne santé. Et nous nous réjouissons de pouvoir vivre à nouveau, ensemble dans un même lieu, des moments de culte. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous et qu'elle vous accompagne.